Après avoir hissé la France à la première place du championnat du monde de street workout à Moscou en juillet dernier et marqué l'émission Incroyable Talent en 2012, l'association Body Art Athletes de Ruse offrira ce samedi à 19h30 au Centre culturel de Villeurbanne un spectacle inédit, les 10 commandements. Au programme, une heure intense de performances à couper le souffle, des chorégraphies repoussant les limites du corps. Entrée 15 euros, dont 5 euros reversés à l'association La Chaîne de l'Espoir, vente sur place et sur digitik.com. Avec la plus grande reconstitution jamais présentée en Europe, la Foire internationale de Saint-Étienne vous entraîne cette année dans l'Égypte mythique, à la fois secrète et fascinante. Au cœur de la Vallée des Rois, vous allez marcher dans les pas de cet aventurier téméraire qui a révélé un des plus fabuleux trésors de l'histoire de l'égyptologie, la tombe de Toutankhamon. La Foire de Saint-Étienne, c'est aussi de nombreuses animations, avec entre autres un concours culinaire et gastronomique animé par Rémi Pupier pour les amateurs de bonne cuisine ou les cuisiniers en herbe. Battle en cuisine se déroulera sur toute la durée de la foire et sera filmé par les caméras de TL7. Comme chaque dernier week-end de septembre, de nombreuses villes en Rhône-Alpes organisent les Virades de l'Espoir, une journée de mobilisation contre la mucoviscidose, terrible maladie génétique qui détruit peu à peu les poumons. À Grenoble, ça commencera le samedi soir avec un parcours au flambeau au départ de l'hôpital, suivi d'un concert gratuit dans le parc Paul Mistral avec Zumba géante et feux d'artifice. Dimanche, de nombreuses animations pour les familles auront lieu toute la journée dans le parc, avec également des démonstrations sportives et en point d'orgue à 15h, un concert de Michael Jones qui reprendra bien sûr les plus célèbres tubes de ses années Goldman. Après 4 années de collaboration avec l'IF3 Festival, l'agence annécienne Like That décide de voler de ses propres ailes et de lancer son événement dédié au film de Frisky, le High Five Festival. Cette nouvelle édition se tiendra à Annecy ce week-end. À quelques semaines du début de la saison hivernale, les fans de glisse pourront croiser la crème du ski international et faire le plein de vidéos et de musique.